Eh bien, bienvenue en live sur cette première conférence de presse, tout simplement, des championnats d'Europe Open 2023. Donc, on va attendre un tout petit peu que tout le monde nous rejoigne simplement sur ce live. Donc sur le live, vous voyez sur la gauche Alison Huet qui a terminé donc troisième en catégorie moins de 52 kilos. Ensuite, au centre, Panayotis Tarinidis qui a terminé champion d'Europe en moins de 66 kilos. Et à droite, Antoine Garcia qui a terminé vice-champion d'Europe en moins de 59 kilos. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. On ira vous répondre tout simplement. On va commencer, ben, honneur aux femmes, tout simplement. Elle a démarré ses championnats d'Europe aujourd'hui. Alison, comment ça va? Ça va très très bien. Tu as récupéré tout simplement de cette journée? Non, pas trop, mais demain ça ira mieux. Mais je passe une très très bonne journée. C'est Ça très marche. Et donc, premier podium européen en trois mouvements, hormis la WEC. Voilà, tes ressentis un petit peu sur comment tu as vécu ces émotions de podium? J'ai passé vraiment une très bonne journée parce que j'ai fait une longue prépa déjà depuis les championnats de France. Et c'est une belle manière de la conclure. Je voulais vraiment arriver sur le podium cette année, ça me tenait à cœur. Ça a signé une belle progression par rapport à l'année dernière où j'ai fini cinquième. Et en plus avec une médaille d'or au bench, mon sync qui correspond au standard de compétition. J'ai repassé 100 kilos, donc j'ai amélioré mon total. Je pouvais pas passer une meilleure journée. Tip top. Pas loin de la deuxième place en plus. Parlons de la deuxième place, voilà, 2,5 kg, donc... Peut-être l'année prochaine, on verra. Et vous avez entendu, hein. L'année prochaine, elle vise la deuxième. Au centre, donc Panayotis Tarinidis, qui justement avait malheureusement n'avait pas pu concrétiser l'année dernière son titre de champion d'Europe. Du coup, que tu as obtenu cette année, du coup, comment reviens sur cette compétition un petit peu? Je sais très très mal cacher mes émotions, donc je préfère être honnête et sincère. Évidemment, j'étais venu aujourd'hui pour gagner, mais j'ai pas gagné avec la manière avec laquelle je voulais gagner. Donc j'ai quand même gagné de beaucoup, donc par respect pour mes concurrents, je dirais pas que j'ai fait n'importe quoi et que j'ai gagné. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, c'est plus important. Mais par rapport à mes objectifs que je me suis fixés, je suis pas au niveau auquel j'aurais voulu être. Maintenant, j'ai une prépa assez compliquée, c'est des choses qui arrivent des fois. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Et voilà. Donc, j'ai fait un très mauvais squat par rapport à ce que j'aurais voulu faire. Donc, je vais devoir retourner au boulot pour ça. C'est le squat qui m'avait fait défaut en 2022 où j'avais pas réussi à valider une barre. Donc là, je valide une barre, mais pas du tout ce que je voudrais. Donc, je gagne quand même les trois mouvements. Je gagne médaille d'or au squat, médaille d'or au bench, médaille d'or au deadlift, médaille d'or au total. Donc, ça c'est cool. Mais on a du boulot à faire. Donc voilà. Là, j'ai envie de manger un KFC et me remettre à l'entraînement. Très bien, merci Pana. Rendez-vous dans 2 mois, notamment. Dans 20 minutes avec mon KFC. Allez. Et Antoine Garcia, du coup, qui était champion d'Europe en titre en moins de 59 kilos, qui à une barre près, du coup, est passé deuxième aujourd'hui. Ton ressenti un petit peu sur cette compétition et ce résultat? Je suis déçu du résultat parce que je pensais notamment au niveau technique et au niveau standard où j'ai pas été suffisamment présent aujourd'hui. Au squat, je pense à un mauvais squat parce que je rate 2,15, c'est une barre que je dois passer tout le temps et là je la rate parce que techniquement c'était pas ça. Au bench, refusé pour descente parce que mon coude à gauche était pas bon. Et en plus, sur le deuxième bench que je rate, enfin le premier bench que je rate, le deuxième essai, je fais une erreur technique parce que je me place trop loin et je tape le rack. Donc voilà, ça fait des kilos en moins sur le total. Et après, je savais qu'il était plus fort que moi au terre. Donc j'arrive avec pas assez d'avance pour pouvoir gagner. Et voilà. Donc là, j'ai qu'une seule envie, c'est de retourner travailler et corriger tout ça. Être au standard et m'expliquer plus sur chaque rep, chaque série.
Et ça va être quoi la suite notamment? C'est quoi ton prochain objectif? Là, le prochain objectif, du coup, ça va être les championnats du monde en juin. Où j'ai l'objectif de faire le podium pour avoir la qualification au World Games. Ensuite, je vais redonner la question également aux autres. Pana, ton objectif prochain? Du coup, vu que j'ai gagné les championnats du monde 2023, je suis sélectionné pour Sheffield, qui est en gros le tournoi des champions. J'ai une grosse prépa qui m'attend. Bon, là, je vais prendre quelques jours off déjà, parce qu'il faut que je récupère. Et après ça, je mettrai en place le plan ultime pour Sheffield, puisque quand on est contre tous les autres champions du monde, faut être au niveau. Et justement, je vais me servir de cette compétition-là pour voir ce qui s'est moins bien passé que ce que j'aurais voulu, pour voir en gros tous les axes de travail qui me restent. Parce que du coup, je le prouve, mais même quand on est champion d'Europe, champion de France, champion du monde, on a toujours des axes de travail. Qu'on soit premier, deuxième, huitième, douzième, ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est juste final en fait. Ce qui compte, c'est le processus. Et tant qu'on sait vers où on doit avancer, tant qu'on sait les choses qu'on doit mettre en place, je pense qu'on peut toujours progresser, on peut toujours faire mieux. Et du coup, même si là, cette année, de mon point de vue, de mon point de vue, objectivement, j'ai tout gagné, mais de mon point de vue, je peux faire mieux que ça. Et du coup, voilà, mon objectif, c'est faire mieux à Sheffield. Et après, je vais rejoindre Antoine pour les championnats du monde en juin, avec du coup la qualification pour les World Games. Alors pour ceux qui ne savent pas, les World Games, c'est un peu comme les JO pour les sports qui ne sont pas aux JO, dont le Power fait partie. Et donc c'est un gros événement, les World Games. Et du coup, la qualification World Games 2025 se fait lors des championnats du monde 2024. Donc du coup, je rejoindrai Antoine en juin avec le même objectif que lui. Donc défendre mon titre mondial et aller chercher la qualif World Games. Alison, ton prochain objectif? Moi, du coup, là, j'ai les France développés couchés en février, que du coup, je fais pas dans ma catégorie de poids, mais que je suis en 57. Donc, j'aimerais bien les gagner en 57, voir si j'en suis capable. Je pense pas que je ferai de l'international en bench, je préfère du coup me préparer pour la FA, parce que du coup, en 2024, il y aura les Europes, donc je suis pas du tout sûre d'être qualifiée encore, donc il va falloir travailler pour ça. Et puis sinon, après, ça va être de préparer les championnats de France, parce que pareil, la concurrence va être rude. Et donc si je veux encore m'octroyer des sélections internationales, il faut que je fasse le travail aux France. Et faire un bon hors-saison, parce que là, du coup, j'ai quand même pas mal enchaîné depuis les France Open en septembre. Là, j'ai réussi à augmenter mon total, donc je suis très satisfaite. Je pense que je peux faire mieux et que je vais continuer de progresser, donc je vais juste tout mettre en place les prochains mois pour le faire. Chaque compétition, ça m'apporte des axes de travail, donc là je repars avec des axes de travail, des choses très positives, notamment sur le bench, donc ça va me permettre de bien alimenter ces quelques mois qui arrivent. Pas eu de blessure particulière? Non, pas du tout. Et même pour les autres, tout va bien plus ou moins physiquement? Oui, ça va. Ouais, ça va. Pana, je sais qu'il y a quelques jours, tu as eu un petit souci au niveau du dos. Ça t'a peut-être gêné aujourd'hui? Non, parce que quand on a quelque chose à faire, quand on est en mission, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, j'étais pas au niveau auquel j'aurais voulu. Comme j'ai dit, j'ai pas eu une bonne prépa sur mon squat. Et quand on n'a pas une bonne prépa, c'est dur. Je dis pas c'est impossible, mais c'est dur d'être performant le jour J avec une mauvaise prépa dans les jambes. Alors évidemment, c'est pas ce qu'il faut se dire à l'avance. À l'avance, il faut se dire peu importe, je vais aller au bout en croyant en moi, et c'est ce que j'ai fait. Mais sauf que force est de constater sur ce que j'ai fait aujourd'hui sur le plateau que le fait que j'ai pas eu une bonne prépa a joué. Et voilà, donc ça a rien à voir avec là ce qui a pu se passer. On est des athlètes de haut niveau. Évidemment, plus on se rapproche d'une échéance, plus le corps est mis à rude épreuve. Et des fois, le corps qui fait un petit peu mal en rotation ou sur un certain mouvement, ça arrive. Maintenant, le jour J, justement, on est athlète de haut niveau. Ça veut dire que mentalement, on doit éteindre tout ça et être un peu comme des machines et faire ce qu'on doit faire. Voilà, donc pour moi, ça n'a pas trop joué. Pour répondre à ta question, j'ai une blessure, mais c'est une blessure au cœur. Et elle se résoudra que par du travail. Ok, très bien. On a pas mal de réponses. Je vais voir un petit peu s'il y a des questions un peu dans les commentaires. Faut que tu fasses croquer du poulet apparemment. Voilà. J'ai dit, là les gars, dès que le live est terminé, je sais pas si on a le droit de le dire ou pas, mais je vais aller me blesser sur le KFC là.
Je vous dirai si le KFC en Estonie c'est bon ou pas. KFC français vs KFC. Je ferai un test. Ça sera une vidéo YouTube. Alors, tac, tac, tac. Il y a des questions. Bon, je peux poser la question à toi, Alison. Est-ce que tu as un type d'entraînement qui te permet de progresser, de maintenir ton niveau de force un entraînement spécifique, on va dire, ou... Spécifique, enfin, je sais pas. Comment ça se passe dans pas une semaine type, plus ou moins? Une semaine type, alors ça va dépendre des prépas. Proche des compétitions, je suis pas fan de m'entraîner 5 fois par semaine. Je l'ai déjà essayé. Ça me convient très bien sur du hors saison où je vais faire beaucoup plus de bodybuilding. Mais sur du picking, enfin sur de la prépa spécifique de compétition, je vais plutôt être sur 4 entraînements par semaine. Là, on a testé avec un SBD dans la semaine. Pour l'instant, ça marche. Je le mets que lors des périodes de compétition. Sinon, je split tout. Et même pendant les SBD, en fait, je fais pas mon terre lourd pendant les SBD. Je fais le terre lourd au début de semaine pour me préserver. Et pour me donner toutes les chances de pouvoir tirer plus lourd au terre quand c'est mon mouvement primaire sur une séance. Plutôt que sur le SBD, après un gros squat et après un gros bench. Ou même mentalement, je suis moins bien parce que les entraînements longs comme ça, moi, ça me fait sortir de ma zone. Enfin, quand j'arrive au terre, je suis un peu déconcentrée. Donc, disons que je préfère le hors-saison où je vais splitter, pas avoir de SBD et avoir plus de mouvements de renforcement musculaire, de bodybuilding, d'haltérophilie. Et garder le très spécifique pour, on va dire, 2 mois avant les compétitions, 2 mois avant les échéances. D'haltérophilie, donc tu fais de l'épaulé jeté, l'arraché? Ouais, carrément. Et là, je pense que comme j'ai un long hors saison, avec Greg, on s'est dit que je vais me tester sur une compétition d'haltéro. Un petit truc régional, juste avec les gars du club, sympa, pour passer un bon moment, tester ça. Ça donne quoi en perf, même si par curiosité? Je pense qu'à l'arraché, j'ai déjà fait 55 ou 57. Et à l'épaule et jeté, il me semble que j'ai déjà réussi à faire 67 ou 70. Ok, intéressant. Ouais. Mais voilà, après, comme je connais un peu moins bien les standards d'haltéro, je sais pas si, par exemple, ce serait validé en compétition. Donc c'est typiquement le genre de truc que j'aurai le temps de bosser sur quelques mois, vu qu'on sera vraiment loin des échéances de FA, où au moins j'aurai que du bench, donc ça permet quand même plus de liberté sur les mouvements de jambes. Antoine, l'haltéro, non? Non, c'est pas prévu. Pas prévu. Et toi, voilà, de l'haltéro, non? Il y a moyen que Alissa me batte en haltéro, donc du coup, je vais pas aller... Il y a 2 trucs que je ferai pas, c'est de la danse et de l'haltéro. Voilà. Parce que je suis nul. Ça se voit, en fait, mon corps, il est fait pour le power, tu vois. Il est dans l'axe. Et dans l'axe, genre, regarde, test de démonstration de mobilité souplesse en live. Donc voilà, on est bien t'es dans au max. Le power. Ouais. La rigidité des tendons, tu sais que c'est un des facteurs de prise de force. C'est vrai. Du coup, j'ai les tendons rigides. Donc, on est en train de faire le live, vous voyez 3 personnes devant vous en vidéo, mais il y en a d'autres à côté qui rigolent bien de... Qui rigolent bien de ma mobilité. De la mobilité de Pana. Alors, apparemment, Antoine, t'es en mode... en train de dormir, en mode récup. Je récup, ouais, de la compète petit à petit. Antoine, il est full récup là. Non, il pense au poulet en fait. Ah ouais, là le poulet. Ouais, il me prépare pour le poulet. Ce qui va suivre après, voilà, pour le poulet. Eh bien, si vous n'avez pas trop d'autres questions, ben voilà, on va arrêter le live ici. Bravo à tous les 3 pour aujourd'hui, cette belle journée de compétition. Un dernier mot peut-être? Bah, on espère qu'on vous a fait vibrer. Ouais. C'est toujours pour moi, enfin là je parle pour moi évidemment, mais c'est toujours avec une fierté qu'on représente la France. Et on est une très très belle nation de power, on est des meilleures nations mondiales au power. Et si jamais bah, vous avez apprécié le show qu'on a mis en place aujourd'hui, bah, lancez-vous. L'avantage du power, j'en suis la preuve, c'est qu'en fait la barrière d'entrée elle est très basse. Vous n'avez pas besoin d'être ultra mobile, ultra explosif, ultra quoi que ce soit. Lancez-vous, kiffez, et puis bah, un jour ce sera peut-être vous qui serez à notre place en train de faire
des super interviews avant d'aller manger un poulet. Et ben, merci Antoine, merci Pana et merci Alison. Et on se retrouve à très bientôt. Salut, salut. Salut.